saluer tous les amis la pression qui d'ailleurs étaient présents là. Je salue mon ordonnateur Haïti en action qui est présent. C'est coordonnateur zone métropolitaine qui est là. Donc coordonnateur départemental là, coordonnateur Boiron et secrétaire général là qui est là. Je salue représentant mouvement Haïti demain, Junior qui est présent avec nous dans le cadre de conférence de presse. Et je salue tous les coordonnateurs départementaux Haïti en action. Cap dans la rue demain. Jeudi, nous réunis et nous invitons la presse avec le sujet de la mobilisation pour la journée du 18 novembre 2020. 18 novembre, bataille de Vertières. 18 novembre, la dernière grande victoire de l'armée haïtienne sur l'armée de Napoléon. Et bien, jour ça, les haïtiens ont continué la bataille parce que, justement, ça qui était doué fait là, après 18 novembre 1803, les campés en route, et jusqu'à présent, peuple là dans une situation extrêmement difficile. Et c'est peut-être ça, Haïti en action comme parti en opposition a manifesté dans tout le pays, a manifesté Port de Paix, Port Haïtien, Port Liberté, Gonaïve, Saint-Marc, Inche, Mirbalin, Port-au-Prince, Jacmel, Lecaille et Jérémy. Il a manifesté dans la zone métropolitaine selon le parcours opposition, mais avec un point de départ cap en bas de lumière rouge, la lune azote. Et c'est là qu'on a réuni pour nous rejoindre toute opposition à partir de Safo à Yokoa pour nous faire parcours opposition qui s'est monté sous Delma, passé en 60, descendre sous Boudon la Lune et aller devant Palais National. Puisque je dis à Palais National symbolisé pouvoir peuple là. Et justement, Palais ça va défendre pouvoir peuple là. Et c'est peut-être ça qu'on a manifesté parce que je dis à, il faut tout le monde comprendre ça, son pays, pouvoir peuple là, tu as la sécurité. Je dis à, c'est insécurité qui manifesté par kidnapping, zak assassinat, violence sous quartier populaire. Monde y a fait arrestation illégale. C'est violence ça qui manifesté avec bandits que l'État a toléré qu'a fait sous population. Je dis à la majorité de la population, dit non à la question ça. Et insécurité a vu une sécurité d'État. Une insécurité d'État. Côté que nous, ni dans le niveau opérationnel, la police inefficace, ni dans le niveau intelligence, inefficace, ni dans le niveau administratif, inefficace. Alors que, bandit, il n'y a pas. Ils ont dit que les gens ne voulaient pas pour faire kidnapping. Et ils ne pas quitter la population vivre pour avoir un minimum de sécurité pour le travail, pour le mener à l'école. C'est la dit population va jouer un minimum là. Donc je dis à bagaille ça inacceptable. Parce que la bataille 18 novembre, qui était symbolisée indépendance, il demandait pour le peuple ça, il y a sécurité. Et je dis à. Même si a fait changement la sécurité. C'est pour nous dire, la compétence sans l'autorité est aussi impuissante que l'autorité sans la compétence. Je dis à moi qu'on est Léon Charles, l'homme d'avait étudié à l'académie, il était dans la promotion à l'étranger. L'homme vient, il connaît une formation. Mais ce qui est autorité, le chef de la police nationale est au palais national.
C'est lui qui a passé là. Est-ce que on est déjà dit techniquement que Rameau n'est pas compétent? Rameau est compétent. Mais ça crive. Le fait que le bagage autorité lui oblige à soumettre lui, il est impuissant, il finit comme compiète. Est-ce que ce n'est pas la même situation? Donc je dis, le peuple a besoin à ce que la police qui a autorité, qui cabale sécurité, que Gangio soit allé en prison ou dans le cimetière. Le peuple a besoin de monde qui a courage, qui a protégé la sécurité pour le travail. Et là, on va cabaler, il faut nous prendre. Et c'est peut-être ça. Nous demandons toute population après la rue rejoindre nous, soit à partir de Champ de Mars, soit à partir de Carrefour Lumière Rouge, la nuit. On a le marché et nous dit non à l'inacceptable. Manifestation en fait contre la sécurité, mais contre mauvaise gestion pays. Est-ce qu'il y a un seul monde qui a pensé que l'égager le pays a voulu depuis toute institution? L'avoir également. Le président a annoncé que le fin renvoie également l'après décret. Il faut l'envoyer pour des comptes tout. Il faut le prendre décret contre le coup des comptes. Alors que la Cour des comptes et le Parlement, ce sont les deux institutions constitutionnelles de contrôle. Je dis à son seul monde. Un seul monde. Qui a géré toute bagaille. Il y a même eu la préture. Autrefois, dans les temps anciens, on disait le pape et l'empereur, c'était des demi-dieux. Il n'y a pas même météo après Dieu, non? Aujourd'hui, le président a été des demi-dieux. Ça veut dire que le président a gouverné avant, il a dit, ou t'es jeune homme, il a dit, sans pile, le monde qui l'a dit, c'était parlement. Mais je dis à le président, il y a un an, il a gouverné sans parlement. Quels sont les résultats? Le président est pour mettre l'électricité, c'est Delco la primée, même Delco qui était éteint, l'a brégé. Où est le système électrique de transport? Où est le système de production que le président est pour mettre là? Le Taïwan a une pompe, et pourtant dans la publicité, le Taïwan fait cadeau à une pompe solaire. Donc ça veut dire que je dis, ah, pas moi, j'ai sûr de lui. Et on a manifesté tout contre les gérants étrangères. Puisque je dis à peu près ici, pendant la bataille, parce que les dirigeants ne peuvent pas gouverner, mais les dirigeants d'un pays étranger qui ont campé d'elle pour protéger. Et dirigeants internationaux, avant rien, ils ont dit oui, pas manifester, pas faire violence. Nous ne pas faire violence, pas manifester pacifiquement. Manifestation pacifique. Cependant, nous ne pouvons pas occuper personne qui a défendu l'autre intérêt et puis qui a dit justement peuple-là par de la rue. Donc manifestation, les contre la sécurité, kidnapping, assassinat, cas déjà de souffrance, les contre la mauvaise gestion pays et les contre l'ingérence étrangère. Et c'est peut-être ça qu'on a lancé appel là. Ce n'est pas simplement nous dit à toute population, prenez la rue, parce que ça, il va bon. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et c'est peut-être ça, dans tout le pays, Haïti en action a poté tout soutien à opposition. Par contre, nous pas différents. Branche nous a commencé pour nous rejoindre l'opposition. Rejoindre toutes les parties, que ce soit dans le directoire, parti politique opposition, que ce soit dans FND, que ce soit dans député, que ce soit dans toute l'autre branche opposition. À Valas. Qui ont même tout à manifester parce que pays a pas géré, pays a pas administré. Donc, au niveau national, Haïti en action a dans la rue et physiquement, coordonnateur du département, de la caillou, de la caprésent, et ou même qui a dans la rue avec tous les partisans, sympathisants, et nous demandons aux populations de rejoindre la rue. Pour nous manifester sans violence, mais n'a dit la police nationale, n'a dit à Léon Charles qui fait arriver là. Premier rôle, c'est protéger la population. Et si des plans
yote voye gaz sou population n'a dire attention. Il sorti la diplomatie. Il connaît le que Zak criminel fait sous population, il connaît ça au niveau international. Il connaît ça au niveau interne. Population a manifesté, qui t'a manifesté, qui t'a dit ça qui va bon pour lui, pour que Bagayou t'a changé. Il a dit tout policier. Yo même, c'est la population qui a sorti. Son monde qui était dans la police, qui était commissaire divisionnaire qui a parlé avec eux. La responsabilité pénale et personnelle, pas occuper personne, pour que il fait des actes que demain, après le VAB, yo même personnellement devant les tribunaux. Il laisse ça, pas aucun dirigeant comme Kabi Amel. Il doit protéger la population pour le manifester, pour que le monde entier, communauté internationale et nationale, ouais que la population dans la rue, l'a dit ça pas faire plaisir, l'a dit faut pas qu'il change, que le PAC a continué à vivre comme ça, en ce grand jour historique et national qui est le 18 novembre. Et dans ce sens, moi je crois que un groupe qui a venu rejoindre Haïti en action à Kafoua, que ce soit la fusion, que ce soit l'OBR, que ce soit différents partis qui sont dans le directoire politique là, qui a venu pour nous marcher, mais nous avons un groupe jeune Haïti demain tout, qui a plein avec nous, qui va le dire un mot, parce que jeune lui a décidé de marcher. Il y a un levé campé qui a même commencé avec le mouvement contre la sécurité. Que nous-mêmes nous sommes rejoindre jeunes étudiants qui dans l'université privée, qui dans l'université publique, donc on représente qui là, eh bien, nous allons rejoindre. Parce que tu as commencé pour béton, eh bien nous-mêmes, nous pouvons aller avec les partis politiques, la société civile, et demander tout le monde, pas arrêter la caille nous, pas que les gens qui ont fait nous peur, nous pas de peur, parce que je dis à si nous peur, eh bien, c'est notre monde à prendre, mais si nous pas peur, nous faisons bataille nous, pays nous, à délivrer. Saluer la presse, parler, écrit, télévisé, m'a saluer les médias en ligne. Haïti demain qui c'est un groupe jeune, une organisation jeune qui là cap challenge tout ça cap fait mal dans le pays. Sorti dans Petro Caribé, passer dans massacre qui fait dans différents quartiers populaires, vivre dans insécurité, kidnapping, impunité. Qu'a fait une aujourd'hui. Pendant qu'on a profité, vous voyez ces parties nous bail, toute famille qui frappe par machine insécurité ça. Tant que famille Evelyne Césaire, Maître Doval, Grégory Saint-Hilaire qui sont étudiants qui assassinés dans l'université, Rico qui est ancien chef sécurité, sénateur Yuri Latortue, pour citer ça seulement. Sans nous pas oublier, les gens qui sont victimes d'un massacre, la Saline, Belé, Kafoufei et la Drie. A SDM a rappelé la population, étudiants, les gens qui vendent, les gens dans la factory, quel que soit le monde qui fait partie des populations, la meilleure façon pour nous combattre l'insécurité, c'est le kidnapping, quand mettre de l'eau dans les genoux aujourd'hui, chaque jour dans le pays, c'est mobiliser pour mobiliser. Pour nous prendre la rue, pour nous dire non, nous ne sommes pas capables encore. Parce que les affaires et sécurité, c'est les affaires de tout le monde. Depuis que vous avez un cortège qui prend la rue avant, depuis que vous avez un garde qui a fait la carrière, je pense que vous êtes intéressé à ce qu'a fait Junior Jodia. Insécurité, pas tant que l'insécurité, frapper porte la carrière ou aller en mouille. Soit faire Jodia ou bien pas faire du tout. C'est pour ça, Haïti de me prendre engagement pour inviter tout le monde qui sentit ça trop à tort. Venez participer dans la journée de mobilisation ça qu'a fait jusqu'au 18 novembre 2020. Venez manifester, venez épargner petit tout, venez épargner madame, venez épargner mari, venez épargner famille, amis. Contre kidnapping et insécurité. En plus, à part des gros mobilisations, ça qu'a fait,
nous même dans quartier populaire à midi tapant ou te maintenant mi temps l'aria frapper mon relé en moi son mon nakaou bat ténèbre parce que bat ténèbre c'est un bagage symbolisé moi pas capable encore n'a bat ténèbre dans quatre points pays là pendant n'a bat ténèbre là faut nous dire nous bouquer faut nous dire abattre toute ingérence abattre kidnapping abattre insécurité abattre toute ça qui passe pinner peuple là nous pas capable encore c'est main en main pour nous combattre l'insécurité aujourd'hui. C'est main en main, tête ensemble, pour nous combattre le kidnapping. C'est main en main, tête ensemble, pour nous combattre l'impunité qu'a fait aujourd'hui. C'est main en main, tête ensemble, pour nous combattre l'ingérence politique, parce que le pays n'a pas dirigé, nous pas dirigé, il faut que nous dirigeons un jour. C'est depuis aujourd'hui pour nous commencer la bataille. 18 novembre, ça, il symbolise un jour bataille, mais il symbolise un jour victoire. Côté nous-mêmes, peuple haïtien, nous te prenons la rue, nous te disons non, nous pas capable encore, et nous te jouons le résultat. Demain 18 novembre 2021, Haïti demain, nous-mêmes, au niveau université, Haïti demain, nous-mêmes, au niveau jeunesse, dans tout quartier populaire, nous prenons la rue, nous accompagnons la proposition pour nous dire nous pas capable encore, abat kidnapping, abat insécurité, abat toute mal ingérence dans le pays. Merci. Je vais profiter de saluer Vive Haïti qui est présent, qui est représentant là, Wendy Timothée qui est là, qui a dérapé même côté avec nous, représentant Berlin qui est là, militant, tout militant qui est présent, qui a sorti sur Chambre Massa, qui a rejoint nous, qui a salué tout, qui a dit population, famille, papa, maman, Timon, parité la caille, en nous prenant la rue. À nous voilà où il y a pour que justement nous arrivions à mettre fin à la question insécurité, mauvaise gouvernance. C'est la réponse de l'ambassade américaine pour notre position. Bon, moi je pense que jeudi à 18 novembre, c'est la grande victoire de l'armée haïtienne sur l'armée française. Et c'est à partir de ça que nous avons palais national, nous avons régime. Je dis à ce régime ça que nous dit qu'il n'y a pas qu'à gérer des guerres. Et ça symbolise le palais national. Donc moi je pense que intellectuellement, techniquement, côté que tu as pas de problème, côté que symboliser l'insécurité à kidnapping, c'est le palais national. Et c'est lui justement qui ce pouvoir national là. Et c'est là pour aller, nous allons de notre côté pour aller. C'est l'ambassade américaine qui kébé le président Jovenel sous pouvoir, qui empêche, malgré tout ça, nous fait payer l'autre bagaille qui kébé là de nous. L'heure nous avons pris l'indépendance, l'heure nous avons pris l'indépendance le 1er janvier, 18 novembre, pas de aucun pays qui dépend Haïti. Tout pays dépend d'Haïti. Mais le peuple là, l'armée indigène a démontré ça le vaut. Et l'idée de choquer tout étranger, l'idée pour l'indépendance. Je dis à ce peuple-là, il y a des dirigeants qui ne sont pas en sécurité, qui ne sont pas en bonne gouvernance, qui ont mal géré le pays, ce symbole-là, ce n'est pas le national. Mesdames et Messieurs, le sénateur, qui vient nous parler en tant que dirigeant, parce que vous insistez sur nos manifestations opposition, alors que nous connaissons Moïse Jean-Charles avec parti par là dans la rue, tout qui vient nous gérer Foulio, qui vient nous gérer Foulio, en dit deux groupes dans la rue. Parce qu'il n'y a qu'à voir au bord même nous, s'il y a pour notre direction, nous-mêmes nous vivons, qui vient nous gérer. Sénateur, permettez-moi de vous poser une question, ça, c'est vrai. C'est juste que les offices pour la vie, mais tout. Et qui ça fait nous comprendre le diable que nous sommes capables de jouer le président lorsque nous avons 3 ans. Et quelques mois, la première pour ça. Dans le moment, ça tourne pour position à déplier, même si on a essayé de couler les morceaux. Donc, qui confiance et assurance nous vient de nous dire à la première à bout de bataille sénatrice. Moi, je pense que ce rapdia, moi, je dis déjà, jour à jour, 18 novembre 2003, nous avons pouvoir, même j'ai été gagné l'armée au Chambou qui était réfugié au Cap, nous avons pouvoir qui symbolisait. Oui, nous avons délogé le 18 novembre 1803. Nous avons pouvoir aujourd'hui qui symbolise insécurité, mauvaise gouvernance. C'est lui pour que nous allions déchouquer.
c'est pas l'ambassade pour nous. Donc, dans ce sens, moi pense que la bataille a continué. Et à la question posée, écoute, moi pense que je dis à une bataille, surtout pour libérer un plan. Il commence en 1791, il finit en 1804. Bataille contre l'esclavage, que contre noir a délégalisé, pays dans un moment, eh bien, l'idée normale. Mais ça te prend en pile de temps. 13 ans. Je dis à la bataille, ce n'est pas pareil qui manque, ce n'est pas de mon poste nous voilà. Si c'est de mon poste, ben c'est bataille ça, t'as fini déjà. Bataille là, c'est comment pour nous transformer ça de Saline, te gagner comme la trilogie de Salinière. La souveraineté militaire, la souveraineté économique, la souveraineté sociale, pour nous transformer en un quintuple sécuritaire pour que je dis à. Nous parler de la sécurité économique, la sécurité publique pour tout le monde protéger, sécurité économique pour tout le monde manger, sécurité sociale pour yon ka égal avec l'autre, pas de différence, ni blanc, noir, ni rouge, ni pauvre, la sécurité juridique pour que c'est ma juge de l'équipe et la sécurité foncière pour que chaque monde dans le pays ça. L'idéologie de Salinière en un quintuple sécuritaire de Haïti en Haïti. Yeah.